Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui prend place la deuxième conférence organisée dans le cadre de l'Académie hiératique. Dominique Lefebvre va nous parler des archives sur papyrus de Tadehennet, qui est un site d'Égypte antique qu'on a longtemps situé à Elibey. Donc on a longtemps appelé ces archives les papyrus de Elibey. On verra, Dominique expliquera que cette provenance est maintenant remise en question. Il ne s'agit probablement pas d'Elibey. Donc Dominique Lefebvre est professeur à l'Université de Genève, où il enseigne la langue égyptienne et le hiératique notamment. Donc son expertise explique pourquoi nous l'avons invité à participer à l'Académie hiératique cette année, pour nous aider à encadrer les étudiants. Et il va vous parler. Merci Nathalie, tout le monde m'entend bien. Bonsoir à tous, bienvenue. Je remercie Nathalie, Florence, Mathilde Prévost aussi. Et je remercie à distance Anigas aussi, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, pour l'invitation à participer à l'Académie hiératique et dans ce cadre à donner une conférence sur un sujet. J'ai eu l'aide aussi d'un collaborateur, allemand, Matthias Müller, avec lequel j'ai activement travaillé la forteresse d'Elibey, comme on le croyait depuis 1917. Alors vous voyez sur cette diapositive, la documentation peut paraître un petit peu désespérante. Ce sont pour l'essentiel de minuscules fragments. Il y en a en tout plus de 2000 à traiter, même si dans chacun des sous-verts, on n'est jamais totalement assuré qu'il n'y ait pas des fragments provenant d'autres dossiers, d'autres papyrus qui aient pu se glisser. Mais voilà, c'était un gros travail. Il y a toute une partie de ce travail qui a consisté vraiment à essayer de faire le puzzle et de tenter des remontées d'un point dispersé à travers le monde. Je vais y dire qu'elle conserve. Alors voilà. Juste pour vous montrer que toute la documentation n'est pas désespérante. Il y a aussi des beaux papyrus provenant de ce dossier d'archives. Celui-ci est conservé au musée du Louvre. Il est même exposé dans la salle dite des écritures. C'est un magnifique hiératique très régulier qui concerne ici, c'est une lettre. Ce sont essentiellement des lettres, ces papyrus, ces archives. Et il concerne ici un litige entre un certain Ousser Atmès et un certain Orsedjem. Et on demande aux destinataires de la lettre de les faire comparaître devant un certain Penpaïaï, c'est-à-dire celui du camp, qui est un dieu qu'on va retrouver tout au long de cette archive. Donc juste, je reviens sur cette diapo. La collection est donc dispersée entre plusieurs lieux de conservation. La première collection importante qui est venue à la connaissance est celle de Strasbourg, et puis d'autres sont venus par la suite, Paris au Louvre. Vous avez deux lots différents, mais qui viennent de cette archive. Vous avez environ 1000 fragments à Berlin, environ 800 fragments à Aberdeen, une dizaine de fragments à Moscou, je vais vous les montrer, et aussi un lot à Berkeley, mais il n'est pas sûr là que tous les papyrus proviennent des archives d'Elibey. On va voir aussi un peu les critères d'identification de ces archives dispersées. Alors, le premier problème de ces archives, elles sont dispersées à travers différentes collections à travers le monde, et aucun lot n'a été trouvé lors de fouilles officielles, lors de fouilles régulières. Et les maigres informations qu'on peut obtenir pour l'acquisition de ces archives et remonter le plus loin possible leurs traces, on voit que ces archives, ces papyrus, apparaissent à la fin du XIXe siècle jusqu'au peut-être début du XXe siècle. Spiegelberg les acquiert à Louxor en 1896. Il le précise dans une boîte en fer blanc, donc c'était tous mélangés. Reinhardt les acquit ceux de Berlin en 1896 au Caire.
Pour la collection d'Aberdeen, qui est très très importante aussi, on a très très peu d'informations. On sait que ça vient d'un personnage, un Écossais, qui se trouvait en Égypte entre 1880 et 1896, mais on n'a pas plus de précisions. Pour Berkeley, il y a peut-être un indice, je vais y revenir, par rapport à ces fouilles à Nagaider, notamment en 1904. Et pour ce qui est Paris et Moscou, on sait juste que ça vient de la collection de deux égyptologues. Donc tout ça est très pauvre et ne nous permet pas d'en savoir beaucoup sur le contexte archéologique et sur l'environnement réel où ces papyrus ont été conservés pendant des siècles avant d'être dispersés ainsi. Le premier qui est vraiment cité dans la littérature, mais sans qu'on parle du tout d'un dossier d'archives, c'est justement 3 ans après que Reinhardt acquiert donc ces 1000 fragments de papyrus qui se sont retrouvés ensuite à Berlin. Hermann et Krebs, dans une sorte de guide du musée de Berlin de l'époque, donc 3 ans après l'acquisition par Reinhardt, proposent une traduction, il n'y a pas la photo, mais il y a juste une traduction donc en allemand de ce papyrus très très fragmentaire. Donc je vous ai mis ici l'image recto verso. Mais on voit tout de suite qu'il y a des éléments qui permettent de le rattacher à notre archive. Je vais y revenir. Notamment, je crois qu'on le voit quelque part, ici, le nom d'un scribe qu'on connaît très bien. Et puis, on sait que ce scribe, il porte des titres Père divin et scribe du temple. Il y a son nom, Orpenazet, de Penpa, et ensuite, c'est IAI. Mais je vais revenir là-dessus sur ces critères. Mais là, l'étude de référence est longtemps restée celle de Wilhelm Spiegelberg en 1917 dans la Zeitschrift, où il publie la collection de Strasbourg, une partie de la collection de Strasbourg. Il n'a pas tout publié et en outre, il a publié des fragments qui sont en fait jointifs avec d'autres fragments qu'il n'a pas vus. Mais c'est lui qui a proposé comme lieu de provenance LIB. Alors LIB, qu'est-ce que c'est? C'est une forteresse qui se trouve en Moyenne-Égypte et qui semble être, d'après la documentation qu'on a à l'heure actuelle, le lieu de frontière, le lieu de passage, la limite entre les deux zones de souveraineté qui séparent la Haute-Égypte et la Basse-Égypte à la 21e dynastie, c'est-à-dire les pharaons de Tanis au nord et toute la zone contrôlée par les grands prêtres d'Amon-Thébain au sud. Et on a notamment, vous avez toute une série de forteresses le long du Nil qui sont construites à cette époque, et on a notamment à LIB des briques estampées, il faut me faire confiance, au nom de Pinedjem I, qui est un des grands prêtres thébains de la 21e dynastie. Alors, travailler sur ces papyrus, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Quand on travaille numériquement, ici, vous avez 5 fragments de la collection d'Aberdeen. Et celui qui est à droite, qui n'est pas tout à fait de la même couleur, c'est un fragment qui se trouve au Louvre. Alors, avec ce remontage, on a quand même une grande partie du texte qui est conservé. Une vérification in situ sur place dans les collections permettrait peut-être de savoir si vraiment ce fragment est appareillé à celui-là. J'ai quelques doutes. Le problème, c'est que celui-là se trouve à Aberdeen et celui-ci se trouve au Louvre. Donc il y a aussi des limites justement dans le remontage numérique de ces objets. Et j'ai mis une petite flèche ici pour signaler ce fragment qui, vous le voyez, présente la particularité sur sa droite d'être limité de manière oblique par une ligne très droite, ce qui était un peu étrange, mais qui s'explique quand on va voir dans le sous-verre, en fait, le fragment est passé sous le cadre du sous-verre. Et ça, c'est un problème constant dans ces archives. Donc, c'est un fragment qui se trouve à Aberdeen. Et il faut pour cela trouver
des spécialistes dans la restauration de papyrus pour ouvrir ces cadres, et ce n'a pas encore été possible dans cette collection. Vous avez un autre problème aussi, vous voyez ici pour un autre cadre d'Aberdeen, des fragments qui vraiment se mettent les uns au-dessus ou au-dessous des autres, qui finalement empêchent une lecture totale de chacun des fragments, et ce qui pose problème quand on veut faire des raccords du coup. Ça limite notre action. Et puis il y a cet autre fragment, voilà, ici, ce grand fragment, alors il a l'air très très bien au recto, mais au verso, donc il se trouve ici, tête bêche, il est en fait, vous avez un gros fragment qui s'est positionné au bas du verso et qui en fait marque un trou en quelque sorte dans notre possibilité de lecture de ce texte. Alors, ce n'est qu'au printemps 2022 qu'enfin, à Strasbourg, une restauratrice a pu, dans la collection de Strasbourg, en tout cas, remettre les choses en ordre, et ce qui permet aussi parfois de valider les remontages qu'on propose, parce que, effectivement, sur informatique, on peut tenter des choses, on peut faire beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut quand même prendre conscience que seul l'observation des objets dans leur matérialité permet d'assurer la validité de nos remontages. J'ai encore un exemple à vous montrer tout à l'heure. Donc on a pour cette archive un certain nombre de textes qui sont des lettres, ces quatre-là sont des lettres, certaines un peu particulières, je vais y revenir aussi. Et donc certains, oui, ceci nécessite peu d'intervention, en tout cas, fait de raccords pour l'instant permettant de compléter parfois les petits manques, et c'est très dommage, notamment pour celui-ci et celui-ci, je vais y revenir. Celui-ci, voilà, ça c'est une tentative, voilà, ça c'est une tentative numérique, mais dont je ne suis pas sûr de la réalité concrètement. Et puis même depuis l'époque de Spiegelberg, si vous avez une photo du papyrus Strasbourg numéro 33 à l'époque de la publication de Spiegelberg en 1917, et aujourd'hui, vous voyez que les choses ont bougé. Enfin aujourd'hui, il y a quelques mois avant que la restauratrice intervienne dessus, les fragments bougent en permanence. Alors malgré tout, il a été possible de faire des raccords, alors souvent des raccords au sein même d'une collection. Ici, c'est un papyrus Strasbourg, le numéro 31, qui avait été publié par Spiegelberg en 1917. Et c'est Tcherny qui, dans son carnet de notes, quand il était passé à Strasbourg dans les années 30, a remarqué que ce fragment-là s'insérait parfaitement ici. Là, c'est un remontage numérique, mais nous avons pu le vérifier. Ça marche très, très bien en réalité. Ici, quelque chose d'un peu étrange, ce papyrus-ci, ce fragment-là, le plus grand, a été publié par Spiegelberg en 1917, mais il n'a pas publié celui-ci. Et c'est d'autant plus étrange que vous voyez que vous avez quelque chose de très commun à ces deux fragments, c'est que certaines lignes sont soulignées à l'encre rouge, et en fait, ça nous permet de connaître l'expéditeur de cette lettre. Il y a aussi, je vous l'ai dit, des raccords entre collections, ici entre Aberdeen et le Louvre. Ici, de nouveau, entre Aberdeen et le Louvre. Alors, celui-ci n'est pas particulier parce que c'est un des rares textes qui n'est pas une lettre, c'est un document de compte agricole. Alors, je vous ai dit, ça a été un travail un peu de fourmi. On peut faire beaucoup de choses sur un écran d'ordinateur, mais le problème, c'est qu'on est un peu limité aussi par la taille de l'écran. Et quand vous avez des centaines de fragments à traiter, donc dans mes jeunes années, mes premières années de doctorat, je me suis amusé à faire des impressions à l'échelle 1-1 de chacun de ces fragments et à tout découper pour pouvoir les placer sur des grandes planches et faire jouer avec cet immense puzzle.
Et donc, un jour d'été, j'avais remarqué, j'avais rassemblé quelques fragments qui me semblaient relever de la même écriture, en tout cas d'une écriture similaire, et j'avais envoyé ce petit raccord à Matthias Müller, et j'en avais même envoyé un deuxième, toujours au sein de la collection d'Aberdeen. Il me semblait que ces deux fragments allaient à peu près bien ensemble. Ça restait un peu à confirmer, mais même la trace des fractures du papyrus semblait aller, en tout cas, ne pas contredire un possible rapprochement. Et donc j'ai envoyé ça à mon collègue Matthias Müller, qui, 2 heures plus tard, m'a envoyé un autre mail en me disant « Ah justement, j'étais en train de travailler sur ce type de fragment aussi, mais je n'arrivais pas à faire quelque chose. » Alors, effectivement, ici, le remontage semble permettre d'écrire le mot « Seneb », la santé. Et ici, ce qui me permettait de rapprocher les choses, c'était alors, cette manière de s'enfoncer l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, de ces deux fragments, et puis la fracture aussi qui semble se continuer ici, et quelque chose d'important aussi, de savoir dans quelle fibre, enfin, quelle était l'orientation des fibres, et ça paraissait assez clair. Donc j'envoie ça à Matthias Müller, ces deux remontages virtuels. Et 2 heures plus tard, il m'envoie ceci. Il me dit, voilà, ça fonctionne bien. Et ça nous a pris 2-3 jours. Et en fait, en s'envoyant des mails, une certaine émulation, pour ne pas dire compétition, entre nous deux, on s'est beaucoup amusé. On a pu reconstituer une grande partie de ce texte. Et il y a peut-être encore un autre fragment, mais je vais y revenir tout à l'heure. Et donc ça, c'était vraiment la chose, le type d'opération la plus valorisante, c'était de pouvoir finalement recréer un texte qui était là de manière latente, de manière dispersée en fragments, et de pouvoir le reconstituer, sinon totalement, du moins en grande partie. On va voir que ce texte, en plus, est très, très intéressant. J'ai oublié un petit fragment ici. Alors, qu'est-ce qui rassemble ces textes, finalement? Qu'est-ce qui permet de savoir que ces textes font partie de ce dossier d'archives? Vous avez d'abord une divinité qui apparaît de manière extrêmement récurrente, ne serait-ce que parce qu'elle apparaît dans la titulature des deux scribes du temple local de cette divinité. Et donc, les deux scribes apparaissent, mais la divinité apparaît dans leur titulature, mais aussi de manière indépendante. Et cette divinité, j'en ai déjà parlé, Penpa Iai, celui du camp. Alors ce Penpa Iai, dans la documentation, j'en veux dire officielle, sacralisé en hiéroglyphe, on le connaît que par deux mentions aux alentours de la même époque. D'abord, dans un relief datant du pontificat de Hérior, donc on est un peu à la limite entre la 20e et la 21e dynastie, et ce Hérior, dans un bas-relief, honore une divinité qui semble être une forme d'Horus. On voit derrière Pa-i, alors ce n'est pas écrit de la même manière qu'en hiératique, mais ça semble être le même mot, et ça me paraît probable que ce soit la même divinité. Il est suivi d'une lettre ici d'une déesse liantocéphale, qui porte juste le nom, qui nom épithète, de souveraine de la naissance. Et puis le deuxième attestation de ce dieu se trouve toujours à Karnak, et sur un des sphinx, de cette grande allée de sphinx, qui, avant les bouleversements des siècles suivants, à la 20e dynastie, devait border l'allée de l'entrée ouest du temple et qui ont été ensuite en fait rassemblés et leur ordre a peut-être été recomposé à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de la première cour. Ici, ils sont un peu serrés près du portique, le long du portique des Boubastites.
Et on sait que ces sphinx, qui ont une histoire un peu compliquée, eh bien, Pinedjem, un des grands prêtres d'Amon de la 20e dynastie, a fait marquer sur chacune des plinthes, là, juste en dessous des pattes, un petit texte qui met le grand prêtre Pinedjem sous la protection d'une divinité particulière, et celle-ci, le nom de celle-ci est suivi aussi d'une épithète particulière. Alors là aussi, il faut me faire confiance, ça dépend un peu de l'éclairage, etc. Ça, c'est pas toujours facile à lire d'ailleurs, ces textes-là. Ici, on nous dit que Pinedjem est Eméidorus, celui du camp, grand dieu qui vit de Maat. On aurait préféré avoir une information géographique, parce que qui vit de Maat, c'est pas très spécifique, mais voilà. Et ce sont finalement les deux seuls, à ce jour, les deux seuls attestations, pour dire en hiéroglyphe, donc dans un contexte sacré de cette divinité. Ça semble donc être une divinité mineure, mais elle est ici honorée par des grands prêtres d'Amon à Karnak. Alors juste pour rappel, parce que ça va avoir des petits échos dans ce que je veux dire ensuite, ce Pinedjem n'a pas manqué parfois de s'approprier, pourrait dire, le décorum royal en mettant son nom en cartouche. Ici, il est même, qualifié de fils de Ré, donc vraiment, il se présente comme un véritable roi. Et on sait que ça pose la question aussi de la nature des relations entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, entre Tanis et Thèbes à cette époque, et de la manière dont s'articulent ces deux pouvoirs, ces deux zones de souveraineté. Cet Horus du camp, alors dans notre archive, il est souvent, le plus souvent, désigné simplement comme celui du camp, mais on a quand même des traces du fait que c'est bien une forme d'Horus. Ici, sur un texte très fragmentaire, on voit la fin de la queue du faucon, Horus pen paiai, Horus, celui du camp. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, cet Horus du camp? Alors, ici, un papyrus d'Aberdeen qui a été entièrement remonté par Mathias Müller, je dois le préciser, et il manque juste le début du texte et le début aussi de ce qu'on appelle l'adresse externe au verso, ici. Et donc, il est quelque chose d'Amon-Ré, roi des dieux. Il est aussi deuxième prêtre d'Amon-Ré, roi des dieux, grand majordome d'Amon-Ré, roi des dieux, responsable du bétail d'Amon-Ré, roi des dieux, chef de district et prêtre de Nemti, seigneur de Tchébou, chef de district et prêtre d'Upuaout, seigneur d'Asiout, commandant, son nom en égyptien c'est Nesbanebjed, en grec Smendes, et ce monsieur il écrit au père divin et scribe du temple de Penpaïaï, Orpenazet, un des deux scribes qui va nous occuper. Et il dit, dès que ma lettre te parviendra, tu t'occuperas de Oui, ce mien cadet dont on est venu me dire qu'il était souffrant et malade. Et tu le présenteras à Penpaïaï, et tu en prendras bien soin face à lui, et tu lui diras, c'est-à-dire au Dieu, rends-le-moi par cette prière que je t'adresse, de la même manière que toutes les bonnes choses que tu as déjà accomplies pour moi. Alors ce qu'on demande à ce Penpaïaï, très très fréquemment, c'est un oracle, ou une manière de prendre soin de ceux qui font appel à lui. Alors, je me suis à un moment demandé qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme titre devant deuxième prêtre d'Amon-Ré, roi des dieux, parce que s'il était premier prêtre d'Amon-Ré, roi des dieux, il ne mettrait pas qu'il est deuxième. Et la réponse, je crois, se trouve sur cette stèle qui date toujours de la 20e dynastie, où un personnage inscrit une formule d'offrande tout à fait classique, et elle est au bénéfice du fils du grand prêtre d'Amon-Ré, du premier prêtre d'Amon-Ré. Donc ici, il faut sans doute imaginer qu'on a M. Netcher Tepi, N et Imen, Re, Nessu, Netchiron. Alors ce Penpaïaï, il est mis en correspondance aussi, ça c'est important pour la chronologie, avec des noms connus de la période. Ici, sur le papyrus Strasbourg 21, il est mis il apparaît dans le même texte que Massaharta. Alors, ce nom Massaharta n'est pas très fréquent, on en connaît quelques-uns. Le plus connu, c'est un grand prêtre d'Amon de la 21e dynastie. Mais chose un peu étrange, ici, il ne porte aucun titre.
et on va voir le texte ensuite. Donc, ce Marsarta, il a laissé aussi quelques vestiges à Karnak, comme cette porte, des vestiges assez modestes, mais comme cette porte, par exemple. Et puis, on retrouve un autre nom important, ici, une lettre du grand prêtre d'Amon-Ré, roi des dieux. Dans le corps du texte, il ne précise pas son nom, qui est évident pour son destinataire, ici, et sans doute qu'il était pressé, il n'a pas mis toute la litanie des titres que parfois il pourra développer. Et donc, ce grand prêtre, par contre, son nom apparaît ici, dans une écriture un petit peu Pali, c'est Menréperé. Et ici, il dit, « Dès que ma lettre te parviendra, tu feras comparaître le commandant Ahafenor et ses frères devant Penpayaï au sujet de ce partage d'esclaves ou de serviteurs, et Penpayaï procédera à leur partage quand ils seront devant lui. » Une nouvelle fois, on s'adresse à ce dieu un peu obscur pour régler une affaire sinon intime, du moins personnel, en tout cas dans lequel s'engage le grand prêtre, personnellement. Alors voilà comment on peut sans doute intégrer cette archive dans la chronologie de l'époque. Donc vous avez les deux zones de souveraineté, la Basse-Égypte dominée par les rois de Tanis, la Haute-Égypte par les grands prêtres d'Amon-Thébain. Et le cœur du dossier tourne autour vraiment d'un personnage, c'est Menréperé. Menréperé, ce grand prêtre qui est le père de Nesbanebjed, donc le fils, celui qui se présente comme le fils du grand prêtre d'Amon, deuxième prêtre d'Amon. Et on sait que le pontificat de Menréperé est à peu près contemporain du règne de Psousénès Ier en Basse-Égypte. On a là, ici, on va dire, un synchronisme à peu près certains. Alors, ce Menréperé, qu'on va voir apparaître dans l'archive à plusieurs reprises, il est connu par certains textes, par certains documents qui le mentionnent, et notamment par cette stèle qui se trouve au Louvre, la C256, où l'ordre vient dire d'une consultation oraculaire, il demande au grand dieu Amon de pardonner à des gens qui se sont apparemment des mauvais sujets, des sujets querelleurs, qui se sont pris à lui ou à son pouvoir et qui avaient été bannis dans les oasis. Vous voyez ici que par contre, il a un autre titre, en tout cas le grand prêtre d'Amon-Ré, roi des dieux, généralissime, ils ont souvent des titres militaires en plus. Et puis, la manière dont aussi est présenté au départ le dieu Amon, la majesté de ce dieu auguste. J'ai mis en rouge exprès. Et il dit aussi que Amon est celui qui se retourne pour guérir le malade. Autre chose importante. Je finis un peu la présentation des protagonistes, des grands acteurs de cette histoire. Vous avez aussi donc un des deux scribes qui intéresse, j'en ai déjà parlé, Orpenazet. Ce n'est pas finalement si surprenant que dans un endroit où le dieu Horus est vénéré, sous cette forme un peu mal connue de celui du camp, on ait des scribes et des desservants de ce temple qui portent un nom théophore formé sur le dieu Horus. Donc ce Orpenazet, c'est le scribe et père divin de ce temple qui apparaît le plus souvent dans ses lettres en tant que expéditeur ou destinataire de certaines lettres, ça pose parfois question. Et le deuxième scribe, il s'appelle Horemarbit, et lui aussi, il porte un nom formé sur le nom d'Horus. Alors, dans ces lettres, on parle de plein de choses, comme dans toutes les lettres, c'est-à-dire que les sujets sont extrêmement variés, il peut y avoir des choses très très différentes les unes des autres. Ici, on parle d'une divine adoratrice d'Amon, qui voudrait en quelque sorte récupérer un spécialiste des oiseaux migrateurs qui a été envoyé dans le nord et qu'il faudra à un moment récupérer et lui ramener dans le sud, sans doute un spécialiste donc du vol des oiseaux et peut-être de la lecture divinatoire de ces vols. Ici, on a adressé à...
c'est pas Orpenacet, ici c'est un autre personnage, mais on demande au destinataire de récupérer quelqu'un, en sorte de l'appréhender, de l'arrêter, et de le remettre aux mains d'un certain Néferamon. Et on a souvent ce type de demandes dans ces lettres aussi, qui sont des demandes presque de service de police. Il s'agit d'appréhender des esclaves en fuite, ici un personnage qu'il faut renvoyer dans le sud rapidement. Des choses qui ne semblent pas relever finalement des attributions. On voit que, sans doute, de manière pragmatique, ces gens-là sont aussi, on pourrait dire, des hommes de confiance ou des hommes liges de ces... alors, les grands prêtres d'Amon, leur famille, parce que leur famille apparaît aussi beaucoup, comme correspondant dans cet échange épistolaire. Donc les principaux protagonistes, Toré Amarbit et Orpenazet, les pères divins et scribes du temple de Penpayaï, le dieu lui-même, dieu d'une localité de Moyenne-Égypte, et puis des grands prêtres d'Amon Thébain. Alors pour Smendès II, Nesbanebdjed, en fait c'est avant qu'il arrive au premier pontificat, il apparaît dans l'archive qu'une fois dans la lettre que je vous ai montrée en tant que deuxième prêtre d'Amon, mais on sait qu'il va succéder à Menréperé. Donc on voit que c'est Menréperé qui est un peu au centre de cette histoire. Ici, un papyrus un peu particulier, puisqu'il présente des caractères qui sortent de l'ordinaire. Alors son écriture, sans être vraiment une écriture de chancellerie, est quand même assez un peu cursive, elle n'est pas aussi belle que celle qu'on peut avoir par exemple au Nouvel Empire, mais on a des choses très très particulières dans ce texte. On a le faucon sur le pavois, donc des termes natifs du divin, qui est utilisé comme pronom personnel de la première personne du singulier. Vous avez cette formulation, Apu eredet rerek neti pernesu en rujaseneb. Ceci est un message pour t'informer que le palais royal est en vie, prospérité, santé. Et vous avez une date à la fin, en 1, deuxième mois de Peret, jour 14. Alors, on n'a qu'une partie de ce texte, dont il est très très difficile de proposer une traduction suivie, parce qu'il est trop fragmentaire, mais ça me rappelle un peu ce texte, beaucoup plus joli, il faut le dire, de la fin de la 20e dynastie, qui se trouve à Turin, et où on trouve le même faucon sur le pavois du vin, comme pronom personnel ou comme déterminatif renvoyant à la personne royale, où on a la même formule, ceci est un message pour t'informer que le palais royal, alors cette fois-ci c'est est sauf, mais avec la même formulation, la même syntaxe, la même grammaire, d'ailleurs un peu archaïque, à pou, on utilise la particule pou encore, et puis on a une date à la fin. Particularité, ce texte n'est pas inscrit au verso, on voit aussi que cette manière de faire permet en quelque sorte de montrer que ce texte qui émane de la chancellerie royale vient d'un endroit où on n'a pas besoin d'utiliser tout le papyrus qu'on a. On peut se permettre de manière un peu ostentatoire de n'utiliser que le recto. Alors et ce texte, après la litanie des titres du roi, puisqu'il vient directement de la chancellerie royale, il se présente au départ du corps du texte comme un ujnesu, un décret royal. Alors, je me demande si ce texte-là n'est pas aussi un décret royal avec quelques autres indices. Alors, un décret royal à rapprocher de notre Dieu, parce que Penpayaï est mentionné. Et puis, dans le papyrus Turin du 196, ce décret royal se présente ensuite dans la formule épistolaire habituelle dès que cette lettre te parviendra, avec un mot particulier, « oura », qui désigne en quelque sorte une lettre un peu plus officielle, un rescrit, c'est comme ça que j'ai traduit, mais une lettre qui est vraiment officielle. Et sur un autre texte de notre archive, il est fait mention de ce rescrit, « oura, que t'a envoyé Pharaon, vie, prospérité, santé, ton Seigneur ». Alors, je ne sais pas s'il renvoie vraiment au texte de ce papyrus-là, mais tout cela indique, malgré tout, ça ouvre un peu une nouvelle... ça allume une petite lumière sur la réalité des relations entre le pouvoir tanite au nord,
roi, et la zone de souveraineté des grands prêtres d'Amon. On voit qu'il y a des relations, celles-ci sont très très mal connues d'un point de vue politique. On sait qu'il y a eu sans doute des mariages entre les deux cours, mais on ne sait quasiment rien de l'histoire politique de cette époque. On a ici, on va dire, une sorte de petit indice des échanges épistolaires qui ont pu se faire entre les deux zones de souveraineté, peut-être même une position d'autorité assumée, en tout cas proclamée, par le roi Tanit, sur la zone sud. Ça, c'est pour l'aspect politique. Pour l'aspect religieux, on a un certain nombre de textes qui sont très intéressants. On les a déjà demandé, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On a à gauche le papyrus Strasbourg 21, qui est une demande de guérison au préfet de Massaharta par le frère de ce dernier. Et on suppose généralement que le frère de ce dernier, c'est Menrepéré, celui qui va lui succéder. Et dans le papyrus de droite, on a une demande de protection au bénéfice de Menrepéré, mais utilisant d'autres formules. C'est des formules au futur 3, donc en fait, c'est, on demande au dieu, en fait, en quelque sorte, de fournir une forme de décret oraculaire, comme on connaît les décrets amulétiques oraculaires de la troisième période intermédiaire, où le dieu s'engage en quelque sorte à protéger, sauver, guérir la personne qui demande ce décret. On peut se demander si ce n'est pas ici une demande vraiment de ce type de décret. Si on retourne ces deux papyrus, on remarque une mise en page identique. Alors, j'ai dit ici, ça c'est le fragment qui faudrait voir vraiment sur place, me paraît un petit peu problématique, en tout cas au recto, au vu de ce qu'on voit des fibres, mais ce n'est pas complètement clair, je dois dire. On a, même si on enlève ça, ça marchera, on a une adresse qui est écrite à 90 degrés du texte principal. Et que dit cette adresse ? C'est la majesté de ce dieu auguste, Penpayahi, le grand dieu qui réside dans sa barque. Alors, on n'a pas d'expéditeur, mais on a un destinateur. Il s'agit de lettres adressées au dieu Penpayahi, qui, malheureusement, j'avais espéré, avant de mettre ce fragment ici, qu'on sache où est-ce qu'il réside, mais on nous dit qu'il réside dans sa barque, c'est-à-dire dans sa barque processionnelle. Donc, on n'en saura pas plus d'un point de vue géographique, ici. Donc, deux lettres au dieu. Une autre lettre à un dieu, qui avait été publié par Posner en 1982 et qui se trouve à Moscou. Posner avait transcrit, commenté le grand fragment qui se trouve en haut en disant que les autres fragments qui se trouvent ici ne faisaient sans doute pas partie du même texte. Il faut savoir que ces fragments aussi sont tous collés sur une planche de carton. Donc il est impossible pour l'instant de voir s'il y a quelque chose au verso. Et en fait, ces fragments, on peut les travailler un petit peu, et celui-ci, je ne sais pas de bêtises, je vois très mal là sur mon ordinateur, correspond à celui-là, voilà, à Ouya, le OU en fait, on voit très très légèrement ici le OU boucle qui descend ici. Celui-ci est ici, celui-ci est là, et celui-ci, c'est celui-là, mais à l'envers. Donc il faut le retourner aussi. Et puis on a ces deux autres fragments, celui-ci et celui-là, qu'il faut aussi retourner en partie. Et on a donc trois petits passages. Celui-ci, on peut le mettre bien. Ça peut le mettre ici, en tout cas ça fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que ici, on a écrit « Netchera Eri Ib » et là on a « Ouyaef ». Dieu qui réside dans sa barque. Ça fonctionne assez bien. Celui-ci ici et celui-ci ici. Et ça nous donne la majesté de ce Dieu auguste, Penpayahi, le grand Dieu qui réside dans sa barque, c'est-à-dire le Dieu à qui on adresse la missive, et elle est adressée après un espace blanc par le nom de l'expéditeur, son fils qu'il aime, le grand prêtre d'Amon-Ré, roi des dieux. Et il s'agit de Menrepéré,
avec tous ses titres ici, le premier généralissime de Haute et Basse Égypte, le commandant Menrépéré, qui est à la tête de toutes les grandes armées d'Égypte. Le problème, c'est que ce qui est intéressant vient et après est quasiment perdu. J'ai pris connaissance de l'exposé des bonnes décisions, sans doute que tu as annoncé à mon sujet, etc., etc. Le reste est malheureusement perdu, et comme je vous ai dit, on ne peut pas aller voir au verso. Ici, le texte du papyrus Strasbourg 21, où Menrépéré demande à Massaharta, demande à Penpaïaï, le dieu, de sauver son frère Massaharta. Donc il faut qu'il le guérisse, lui accorde vie, prospérité, santé, une grande durée de vie, une longue vieillesse. Et il dit au début, chasse toute maladie qui est en lui, qui rappelle un petit peu ce qu'on avait vu dans la stèle du bannissement, la C256, la stèle du Louvre, où on dit, Menrépéré dit qu'Amon est capable de sauver tous ceux qui sont malades, celui qui se retourne pour guérir le malade. Ici, c'est un petit peu différent. Le début manque, on n'a pas l'adresse, et ça se présente ainsi, tu sauveras, mais avec un futur 3, un futur objectif, tu sauveras Menrépéré, ton fils, ton fidèle, tu le guériras, tu lui accorderas vie, prospérité, santé, une grande durée de vie, une grande royauté, bravoure et force à son bras à l'encontre de tout pays et de toute contrée étrangère, tu tueras tout homme mauvais qui ne sera pas sur son chemin, tu le mettras à terre, etc., etc., enfin, etc., on ne sait pas ce qu'il y a ensuite. Donc, dans le papyrus Strasbourg 21, le frère de Massaharta, sans doute Menrépéré, demande au dieu Penpaï la guérison de celui-ci. Dans le papyrus d'Aberdeen, avec tous les fragments, on a une demande d'un décret oraculaire de protection en faveur de Menrépéré, toujours à Penpaïaï. Et dans le papyrus de Moscou, Menrépéré écrit au dieu Penpaïaï qu'il a bien pris connaissance des décisions, peut-être des oracles, de celui-ci. Et il y a un dernier petit fragment ici qui se trouve à Strasbourg où on a une grande écriture qui est sans être de l'écriture de chancellerie et relativement ample et maîtrisée et harmonieuse. On a juste voilà, des petits fragments de phrases et on a ce terme surtout. Alors on a ceci qui rappelle le texte d'Aberdeen, mais on a aussi ce mot mécène, mécénou. Et ce mécénou, je pense que c'est un harponneur. Je vais revenir ensuite pourquoi. Et au verso, écrit de manière transversale, aussi à 90 degrés, la majesté de ce dieu auguste, Pen, sans doute, Paiai. Donc on a ici quatre lettres odieux avec un format particulier, un formulaire, on pourrait dire une diplomatique particulière, une mise en page et un usage tout à fait spécifique et pour l'instant limité à ce grand prêtre d'Amon, pour autant qu'on en sache. Alors, d'où vient cette archive? J'ai dit, en 1904, Reissner fouille à Naga Eder et ses ouvriers lui ramènent des papyrus qu'ils disent avoir été trouvés dans la tombe là-bas. Le problème, c'est une tombe de la première période intermédiaire. Donc, ils ne viennent pas exactement de là. Ils viennent d'ailleurs. En 2008, c'est Mathias Müller qui a proposé de voir dans la forteresse d'El Aïwa le lieu de provenance de cette archive. Effectivement, on n'est pas loin de Naga Eder. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a une forteresse, effectivement, là-bas. On ne connaît pas son nom. Elle est très très mal documentée archéologiquement. Il y a eu une exploration rapide par Reissner, mais elle n'est pas documentée. Et ce qu'on en sait, c'est un article qui est paru en 1989, notamment par Stephen Quirk. Et à partir d'une photo de l'époque de Reissner, il a proposé un facsimilé d'une inscription qui se trouvait sur un linteau de porte. Et à la première lettre, à la première ligne de cette inscription, on trouve l'expression Pen Pa I. S'il faut bien lire et si le facsimilé est exact, ce qu'on ne peut pas vérifier pour l'instant. Et donc, Mathias Müller, par la correspondance entre ce Pen Pa I et le nom du dieu qu'on connaît bien dans cette archive, par la proximité entre Naga Eder et cette forteresse, il s'est demandé si l'archive ne provenait pas de là, plutôt, de cette forteresse, mais pour laquelle nous n'avons aucune documentation archéologique disponible. Alors,
qu'elle vienne ou non de cette forteresse, elle vient sans doute de cette région-là, au sens limité ou au sens large. Et j'en veux pour preuve, notamment, il y a d'autres indices, hein, il y a plein d'indices, mais pour montrer peut-être les plus spectaculaires, ce papyrus, le seul de l'archive qui est conservé au musée du Caire, et je suis désolé pour la qualité de la photo qui n'est pas terrible, Penpaï a dit, c'est après avoir écrit à Menrepéré, mon enfant. Tout à l'heure, on parlait de quand Menrepéré écrivait pour sauver Massaharta, il parlait de Massaharta comme de l'enfant de Penpaï, que j'ai envoyé des hommes dans la campagne de sorte qu'il agisse, à savoir Penpaï. Il y a plein de choses pas claires dans ce texte. Hein. Il est écrit dans une syntaxe très très étrange. C'est un néo-égyptien un peu trafiqué. C'est pas évident, mais il y a surtout ce passage-là qui est très très intéressant. Donc ça implique Penpaï, ça implique Menrepéré, et on dit « Fais que mon supérieur m'écrive à son sujet, je le ferai ». Les hommes ont dit « Ne permets pas que les harponneurs, mais c'est nous, tuent des hippopotames dans notre district. Ne permets pas qu'on tue ou qu'il tue des cochons suite à cela. Seth, c'est le frère d'Isis. Si les hommes ont commis une abomination, c'est celle de Seth. Si les harponneurs ont commis une abomination, c'est celle d'Isis, sa sœur. » Ce qui est intéressant, enfin, qui est assez fascinant dans ce texte, c'est qu'on a une mise en relation entre, on va dire, des événements mythologiques, le mythe, et une affaire extrêmement concrète. Il y a, au verso de ce texte, la liste des gens qui ont souillé. C'est le mot qui est employé. Et parmi ceux-là, il y a un prêtre Wab de Penpaï, celui du camp. Donc on a des gens qui viennent du lieu d'où provient cette archive, et d'autres, avec on peut dire, ses complices, qui ont tué des hippopotames dans le district concerné. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça peut nous donner éventuellement une localisation un peu plus précise. Alors ça rappelle aussi bien sûr le conte d'Horus et Seth, dans lequel Isis harponne d'abord son fils, je crois, Horus, et qui crie de douleur, il demande « Ma mère, pourquoi tu fais ça ?» et puis elle reprend, il lui renvoie le javelot, et puis en fait elle harponne ensuite Seth, qui est aussi sous l'eau. Et on sait que l'hippopotame est un animal sétien. Et on sait aussi, mais par des sources beaucoup plus tardives, les sources ptolémaïques, que le tabou de tuer des hippopotames est le tabou du dixième nome de Haute-Égypte. Alors on a ici El Aïwa, et on a ici le dixième nome de Haute-Égypte, donc près de, là où se trouve Kaou El-Kébir. Donc on a la mise en relation, et je crois que c'est assez unique, entre un événement mythologique et une affaire concrète, en tout cas à ces époques-là, entre un événement mythologique, plutôt une justification mythologique, qui permet de, d'appréhender, d'arrêter et de juger et condamner certaines personnes qui ont transgressé un tabou local. Alors ça me renvoie bien sûr à ce fragment de lettre-là qui ressemble à une lettre aux dieux telle qu'on les a vues tout à l'heure, où on voit le grand prêtre, en général c'est Menrepéré, où il y aurait le début de ce mot « harponneur », sous toute réserve. Mais là, il y a quelque chose quand même qui me semble assez bien matché. Et ce n'est pas tout. Vous avez aussi... ces deux fragments pardon, de papyrus à Strasbourg qu'on a pu raccorder. Il s'agit d'un mémorandum. Alors si vous avez des idées, je suis preneur. Je ne sais pas quoi faire de ce groupe-là. Un mémorandum du ou concernant le ou ceux, je ne pense pas que ce soit Paï ici, mais bon, bref, qu'ils ont commis alors qu'ils se trouvaient dans la maison. La suite a été effacée dans la ville de Pat, peut-être, à savoir les harponneurs, quand ils se sont enfuis de la prison. Et donc, si on met tout ça en relation, on aurait finalement la transgression dans le dixième nome de Haute-Égypte d'un tabou local
sous la forme du harponnage interdit d'hippopotame, animal sétien, peut-être une lettre écrite par Menrepéré à son dieu local Pen Payaï, et ici les suites de l'affaire, peut-être des gens qui se sont enfuis suite peut-être après leur arrestation. C'est peut-être un peu spéculatif, mais il y a quand même des choses, je pense, qui fonctionnent assez bien. Pour terminer, pour conclure, ce qui est intéressant dans cette archive, notamment dans le rapport des grands prêtres d'Amon à la religion, c'est que quand ils font acte officiel, les grands décrets oraculaires de Karnak, etc., ils s'adressent à Amon. C'est normal, c'est le dieu, le grand dieu de la région de Haute-Égypte à la 21e dynastie. Mais quand il s'agit de problèmes, notamment de problèmes personnels, voire intimes, protéger, demander la guérison de son frère, etc., il s'adresse à un dieu mineur pour nous dans la documentation sacralisée en hiéroglyphe, en bas-relief, un dieu local, forme d'Horus, à qui il confie tous leurs petits problèmes, toutes leurs petites misères. On a donc là finalement une sorte de compromis entre la vie officielle et la vie intime de ces personnages-là. Je vous remercie. Merci beaucoup Dominique pour ce très beau voyage vers les fragments des archives de Tadehennet et cette présentation qui illustre à merveille le travail d'enquête du philologue et la nécessité de faire des allers-retours permanent entre différents types de sources. Enfin voilà, c'est très intéressant, merci. J'imagine qu'il y a des questions concernant soit les archives elles-mêmes, soit le travail du philologue. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je me demandais donc finalement pourquoi Spiegelberg a rattaché les papyrus à LIB. C'était quoi ses arguments ? Alors ces arguments qui pouvaient paraître valables à l'époque, en fait, sont assez fragiles, sont très très fragiles. Par exemple, il y en a un où il dit dans cette archive, les gens portent le titre de père divin. Pourquoi pas. Il dit aussi que ça date de la 20e dynastie et qu'on a trouvé à LIB les trois papyrus fameux, Unamon, etc., Urmai et compagnie, et le Nonmasticon. Et donc tout ça est lié. Que si... il donne d'autres arguments, mais en fait, quand on regarde, c'est très très fragile. Enfin, je pense que ça pouvait peut-être paraître convaincant à l'époque, mais en fait... Au vu de ce qu'on sait aujourd'hui, égyptologiquement de manière générale, et de l'ensemble du dossier, parce que lui, il n'a travaillé que sur une toute petite partie du dossier, même pas un dixième, ça ne tient absolument pas la route. Enfin, c'est totalement spéculatif. Alors, il dit aussi que c'est, effectivement, j'en ai pas trop parlé là, que c'est une DNET. C'est pour ça que j'ai appelé ici l'intervention sur les papyrus de Tadehennet. Dehennet, c'est un promontoire rocheux qui est en avant du plateau montagneux. Des Dehennet, il y en a plein en Égypte. Vous avez encore dans la toponymie actuelle le site de Ternay. C'est Dehennet, ça vient de Dehennet. Donc c'est une sorte d'éminence rocheuse. Effectivement, LIB est une Dehennet. On le sait parce que dans les inscriptions du temple de la 22e dynastie qui s'y trouve, on en parle. Donc il a rapproché aussi cette Dehennet de la Dehennet qu'il connaissait. Mais des Dehennet, en fait, il y en a partout. Il y en a même en Nubie. Enfin, c'est un monument, c'est une réalité topographique qui est très, très fréquente en Égypte. Et maintenant, on connaît beaucoup de toponymes qui s'appellent ou qui peuvent s'appeler une Dehennet. Et pour Nagedder, Dehennet, ça fonctionnerait ? Alors pour Nagedder, non, mais pour El Aiwa, la forteresse qui se trouve à côté, ça pourrait fonctionner. Apparemment, elle se trouve en altitude. Moi, je n'y suis jamais allé. Donc, on pourrait peut-être y retourner un jour, quand même. Ce n'est pas une région toujours facile d'accès, mais ça aurait peut-être le coup d'aller voir. Mais d'après les carnets de fouilles sur lesquels ont travaillé Quirk et je ne sais plus quel est l'autre, son
son nom est Pacha, Quirk et son collègue, ça pourrait correspondre d'un point de vue topographique. C'est une sorte de quelque chose qui est en hauteur, en tout cas. Mais il n'y a pas de photo d'ensemble, etc. Donc, il n'y a pas de plan. Très peu de choses. Ils ont trouvé cette photo à partir de laquelle ils ont fait le fac-similé et quelques notes de Reissner sous le site. Et ils ont juste présenté la chose pour qu'on sache que ça existe. Merci beaucoup. Cette conférence intéressante. Je suis maudite avec ce micro. Juste pour rebondir sur la question de la localisation justement archéologique, parce que donc à l'Araïwa, c'est dans la 9e province de Haute-Égypte, en tout cas la frontière entre la 8e et la 9e, donc qui m'a intéressée pour ma thèse. Donc effectivement, je pense que ça... Alors je ne suis pas allée non plus sur place. Si jamais tu y vas un jour, ça m'intéresse aussi de me joindre à l'expédition. On va organiser quelque chose. Avec plaisir. Mais je pense que ça peut effectivement correspondre. Et sinon, peut-être aussi... Alors, bon, le problème, c'est qu'archéologiquement, on ne le connaît pas mieux. C'est de l'autre côté, à la limite, donc entre la 9e et la 10e province, il y a le Djebel el-Sher el-Haridi, qui finalement correspondrait très bien à une des Henat aussi, où il y a des traces de bâtiments très en surplomb au-dessus de la vallée du Nil. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quand ça date. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de choses inscrites qui aient été trouvées dans la région. Mais du coup, on est juste à côté de la 10e province et la province 7e. Donc ça pourrait aussi marcher. Ça me plairait bien. On va discuter. Avec plaisir. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose sur place qui permettrait de donner un indice fort, au moins permettant de rattacher cette archive à quelque chose de concret sur place, c'est vrai qu'on est un peu démuni. Mais il y a aussi d'autres indices, hein, par exemple, il y a plusieurs fois mention d'un domaine de mine, par exemple. Alors parfois, il y a un fragment, c'est écrit juste domaine de mine, hein, maison de mine, donc on ne peut rien en faire de plus. Mais voilà, l'ambiance générale va pas du tout avec la LIB, en fait. Toutes les petites choses, les anthroponymes, les noms de dieux qu'on trouve. Alors, dans des lettres, c'est compliqué parce que les lettres, c'est fait pour bouger. Donc, là, mais l'ambiance générale, franchement, ne correspond pas du tout à l'IB, et plutôt à cette région-là, entre le 8e, 9e, 10e, par là. Nome. Merci pour la conférence. C'est plein des informations politiques et concernant ce que. Et avec la religion, le dieu Pempahai, celui du camp, c'est quoi sert? C'est guérison, c'est un dieu de guérison ou quoi? Et concernant la politique, quelle était l'image entre les deux centres du nord et du sud? Les pharaons et les prêtres d'Amon dans le sud. Mais l'image... Nous donnons quelques petites informations sur les relations entre les deux entités. Merci. Alors Pempahai, c'est vrai, celui du camp. Alors Iai ou Ii ou Iou, on a plusieurs graphies déjà au Nouvel Empire. Alors ça peut être un camp militaire, ça peut être un camp de base, un camp temporaire. Ça peut être aussi quelque chose qui abrite du bétail. Donc c'est quelque chose de très vaste. C'est difficile de savoir finalement à quoi se rattache Pempahai. En tout cas, quel est le sens du mot camp ici, comment il faut le comprendre, ça c'est un peu quelque chose, j'ai envie de dire, qui m'échappe un peu. Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas d'indice très clair de comment le comprendre concrètement. Pour les relations entre le nord et le sud, ben justement le problème c'est qu'on a très très peu de choses. Ce qu'on a, c'est par exemple des objets au nom de certains grands prêtres d'Amon, ils sont rares, mais qu'on a retrouvés dans le trésor de Tanis, dans les tombes des rois tanites. Et où on voit, alors je ne sais plus lequel, je ne suis pas très bon en généalogie, mais où Pinedjem serait peut-être le père d'un des rois. Donc on sait qu'il y a des relations matrimoniales, il y a eu des alliances sans doute entre ces deux zones de pouvoir, mais l'histoire politique de cette époque, elle est complètement inconnue, on ne sait rien. On a pour l'époque essentiellement
des sources dire, religieuses. Donc on peut dire beaucoup de choses sur l'évolution religieuse de l'époque, mais sur l'évolution politique, la 20e dynastie, c'est environ 150 ans, on n'a rien à dire. Enfin, on a très très peu de choses à dire, on ne sait rien. C'est un noir total. C'est peut-être... Alors, on a des forteresses. Alors, ce qui est intéressant aussi, mais elles sont souvent très très mal documentées archéologiquement, c'est qu'on a donc, j'ai déjà évoqué rapidement, il y a une série de forteresses le long de la vallée du Nil. Certaines ont parfois même l'existence en a parfois été mise en doute par certains, mais on a un certain nombre de forteresses avec des briques estampées au nom de certains de ces grands prêtres. Donc, on a l'impression, si l'image est exacte, mais je vous dis, elle est très un peu floue quand même, qu'il y avait une série de constructions ou de restaurations de camps fortifiés le long du Nil, comme pour, ça me donne cette impression-là, des points forts d'où on peut peut-être contrôler une partie du territoire. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais si on fait un peu la liste des membres de la famille des grands prêtres d'Amon qui apparaissent dans cette archive. On l'a vu un petit peu avec le deuxième prêtre d'Amon. Il a aussi des compétences à Tchébou, il a des compétences à Assiout, il y en a d'autres qui ont des compétences, je vais dire de bêtises, à Armim, il me semble, je ne sais plus Armim, mais en fait, on pourrait presque faire un petit pointillé. Ils ont des compétences partout. Donc, c'est des gens... Alors, quelle est la réalité de leur autorité et de leur fonction dans ces différents endroits et concrètement comment ça se passe. Mais on voit que les grands prêtres d'Amon, ils ont placé leurs enfants partout le long du Nil, à différents endroits du territoire, jusqu'à Elibé, qui semble être la limite un peu septentrionale, pour autant qu'on sache, de leur zone de souveraineté. Donc on voit qu'il y a une sorte de maillage du territoire par ces gens-là, ce qui pourrait impliquer d'ailleurs qu'ils n'ont pas une très grande confiance dans leur propre autorité, s'ils ont besoin de la montrer et de l'asseoir avec des forteresses ainsi. Le papyrus Strasbourg 33, et j'ai pas donné la traduction, mais justement, alors, c'est peut-être anecdotique, on ne sait pas trop, mais je pense que c'est un papyrus qui indique aux gens de Tadéhénet de ne pas sortir hors des remparts parce que ce n'est pas sûr dehors. Donc, quelle est la réalité même du contrôle du territoire par les grands prêtres d'Amon en Haute-Égypte, on ne sait pas. Et ça fait aussi écho justement à la stèle du bannissement où Maître Péré reconnaît lui-même qu'il y a eu des opposants politiques peut-être à la famille dirigeante de cette époque. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup, c'était très intéressant, effectivement. J'aurais deux questions. D'abord, une première, peut-être pour rebondir sur l'épithète du dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir traduit Iou, Yaï, par quand spécialement ? Est-ce que non, ça c'est plus la tradition. C'est la tradition. C'est parce que j'ai rien d'autre mieux à proposer pour l'instant, mais si oui. Je suis ouvert. Ouais, j'ai pas d'idée très fixe. Je suis absolument pas historien de la religion, mais vous nous aviez montré. Alors ça introduira ma deuxième question aussi. Vous nous aviez montré au début, vous aviez fait un rapprochement avec les sources iconographiques et c'était assez intéressant. On a l'impression, effectivement, vous avez raison. On voit un dieu probablement hiéracocéphale, et surtout la légende dit bien que c'est Horus, et il a une périphrase pour le désigner, et ça c'est vraiment intéressant parce que on peut émettre l'hypothèse sur la base de ce constat que c'est une divinité horienne, effectivement. Donc on s'attendrait à avoir un culte à Horus avec une parèdre féminine, peut-être. Alors, du coup, je ne comprends pas forcément bien, mais j'ai peut-être manqué d'attention, le lien qu'il peut y avoir entre le dixième nome et d'autres régions plus au sud, comme Nagalder ou Armim aussi, qui n'est pas loin.
et l'histoire des harponneurs et des hippopotames. C'est-à-dire que si on imagine que ce dieu, puisqu'on cherche à localiser la localité dont il est le dieu topique, ça serait plutôt un dieu sétien pour vous, du coup ? Alors, pas forcément, je ne pense pas du tout, mais je pense qu'on fait appel à lui, que c'est Menre Pérez qui fait appel à lui, et que là, il est face à un problème qui met en jeu notamment un des servants du temple de Penpai, un prêtre Wab, qui n'est pas mentionné par ailleurs. Il s'appelle Res, il n'apparaît pas ailleurs dans l'archive. Le fait juste qu'en fait, dans les litanies des interdits religieux des temples ptolémaïques, c'est le dixième nom qui est celui où on n'a pas le droit de tuer des hippopotames. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose. D'accord. Ici, qui a impliqué des gens du culte de Penpa-Ayaï. Et j'ai envie de dire, quand il est loin de Thèbes et quand il fait affaire à cette région-là, peut-être, il s'adresse à Penpa-Ayaï. Il s'en fout. C'est beaucoup plus clair, merci. Parce que je ne voyais pas forcément, ça me semblait antagoniste, en fait, d'avoir un dieu orien avec justement une sacralité de... des hippopotames ou des choses comme ça. Et alors, est-ce que vous pourriez, est-ce que ça vous semblerait possible dans ce cas-là que de traduire plutôt he ou toutes les variations qu'on peut donner plutôt par l'étable, ça pourrait peut-être être une indication par rapport à la géographie religieuse ou avec Isis notamment, des choses comme ça pour une parade d'Horus ou pour ou d'Hathor, peu importe. Peut-être, je ne sais pas trop, j'ai réfléchi à cette question, mais j'avoue que je n'ai aucune réponse. Est-ce que le camp il renvoie plutôt à quelque chose de militaire ou à quelque chose d'agricole est-ce que c'est lié à quelque chose de mythologique ou est-ce que c'est lié à la toponymie, topographie locale ou à quelque chose qui s'est passé là? Pour moi, tout est possible, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'indices qui permettent vraiment de trancher, de pencher. Alors, du coup, j'ai gardé, j'ai envie de dire, le nom traditionnel qu'on a donné à ce dieu. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé qui permettrait d'orienter l'interprétation plutôt vers le côté militaire, agricole ou en lien avec le mythe. Oui. Cette déesse, je reviens encore. Cette déesse, qui n'est pas non plus quelque chose de très simple. Cette souveraine de la naissance, là, Henout Mesout, elle apparaît aussi, enfin, si c'est la même, on a une stèle, sans doute aussi de la 20e dynastie, qui se trouve à Bruxelles et qui montre une Henout Mesout qui est aussi léontocéphale. Et d'ailleurs, une déesse léontocéphale, ça pourrait aussi aller avec cette région-là, avec Mehit, comme ça, mais. Voilà, qui se cache derrière elle vraiment, pourquoi elle est associée à ce Horus. On n'a pas de mention de parèdre dans l'archive du tout, enfin en tout cas de quelque chose qui pourrait être une parèdre, ça n'existe pas. Oui. Donc, Parce que si l'épithète divine, c'est bien une périphrase pour désigner le dieu sous forme de variation, pour ne pas répéter Horus, parce que celui du camp ou celui de quelque chose, ça réfère forcément à Horus, d'après le panneau qu'on voit de Karnak. Donc il faudrait expliquer la motivation de... Du dernier substantif dans le syntagme. Alors, ce qui est un peu étrange aussi, j'en ai pas parlé parce qu'il y a quand même des mystères là-dedans, que par exemple la famille des grands prêtres d'Amon, c'est-à-dire Menre Pérez, Pinedjem, etc., soit liée à une divinité locale en Moyenne Égypte ou qu'elle soit, c'est une chose. Mais là, ici, on est sous Erior, et Erior, on connaît pas de relation très claire de parenté avec la dynastie des grands prêtres d'Amon de la 20e dynastie. Donc, est-ce que c'est-à-dire que tous ces gens-là viennent malgré tout de la même région, alors qu'ils étaient parents ou pas, en tout cas pour Erior, c'est difficile. Moi, je pense aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est implicite, que du coup, la famille des grands prêtres d'Amon de cette époque-là doit provenir de cette région-là. Oui. C'est-à-dire que quand ils ont un problème personnel, intime, ou qui met en jeu quelqu'un à qui ils tiennent, ils font appel à leur dignité d'enfance, leur dignité personnelle. Et quand il s'agit de faire des actions officielles, là, on s'adresse à Amon. Oui. On affiche Amon. C'est tout à fait convaincant, effectivement. Pourquoi pas. Ça semble crédible.
Parce que vous aviez beaucoup de, dans les noms, dans les anthroponymes, il y avait énormément de Théophore Orien. Et il y avait notamment quelqu'un qui s'appelait Orpagnazet. C'est celui d'Isis en fait. Et je me demandais si on pouvait faire une corrélation peut-être avec l'épithète divine, celui du camp ou celui de l'étable, et faire un rapprochement entre Isis et l'étable et le dieu. Voilà, c'était la question. T'es ouvert. Il semble qu'il n'y a plus de questions, donc on va se clôturer ici. Merci encore.